n'avons pas oublié les déclarations qui ont été faites un matin du 5 septembre 2021 par le président Mamadi Doumbouya. On n'a pas oublié les interviews du président Mamadi, là où il disait « Je ne suis candidat à rien du tout ». Des déclarations selon lesquelles ni lui, ni les membres du gouvernement, ni les membres du CNT, personne ne sera candidat aux élections qui mettront fin à la transition. Mais la déclaration que nous apprenons aujourd'hui, de gauche à droite, à tous les niveaux, avec des petites touches, c'est comme si on veut nous faire absorber à dose supportable la dérive à la charte que le président a, de laquelle il a voté, et la dérive aux déclarations qui ont été faites. Tantôt, c'est un ministre qui donne un petit pic, tantôt, c'est un autre qui donne un petit pic pour nous faire absorber la pilule à dose régulière successive. Alors, pourquoi faire girer les cadres sur le courant? Pourquoi girer sur la Constitution? Pourquoi girer sur la Bible quand vous savez qu'au fond de vous-même, vous ne respecterez pas votre serment? Le serment est sacré, surtout dans nos communautés, dans nos coutumes, dans nos religions. Girer sur le Coran, c'est gravissime, surtout lorsque vous ne respectez pas votre serment. C'est après tous ces phénomènes que je trouve aujourd'hui, je suis d'habitude très optimiste, mais aujourd'hui je suis très peiné pour l'avenir de la Guinée. Nous invitons le président Mamadi Doumbouya. Nous lui demandons humblement de prendre le courage. Il a dit que sa main ne tremblera pas. De dire si oui ou non il est candidat. Comme ça, on verra bien ce qui va se passer. S'il est candidat, ce n'est pas la peine de faire des élections parce qu'on ne peut pas nommer les chefs de quartier, nommer les communes, nommer les gouverneurs, nommer les sous-préfets. C'est eux qui organisent les élections et vous, vous êtes candidat. Quel est le sous-préfet qui a le toupet de dire que le président candidat n'est pas élu dans son responsabilité? C'est possible? Alors, au lieu de gaspiller nos maigres ressources à faire des semblants d'élection, si le président ne veut pas d'élection, alors nous devons. Il n'a qu'à dire au peuple de Guinée, il n'y a pas d'élection. Où je suis candidat? On apprécie. Mais si je dois donner encore un conseil, ce qui était mieux pour les dirigeants actuels, c'est de faire asseoir tout le monde autour de la même table, qu'on s'entende sur quelque chose. Comment nous allons partager le gâteau de la Guinée, le gâteau guinéen, comment on va le cuire, comment on va le manger.